programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. Bien, c'est tout le petit chant là qui te fatigue comme ça. Alors que moi c'est ma soeur qui est débroussaillée. Vous avez dit que nous, on n'a pas encore payé, on ne touche rien. Et je te rappelle que je ne suis pas seule. Ah, tu n'es pas seule? Ça veut dire que vous avez travaillé. Vous deux. Oh! Oh! Tu as aussi travaillé, c'est pour ça que tu es fatiguée. Il dit non. Il dit que vous n'avez pas travaillé, qu'en fait vous avez seulement marché et c'est tout. Bon, je dois partir. Déjà, tu as dit que tu te reposais avant de partir, non? Ouais, une minute. Ok, quand tu voudras, alors moi je vais t'accompagner, il n'y a pas de souci. Faut pas qu'on te cherche chez vous, on dit que t'es confisqué. Je demande, tu n'as rien à faire, genre nettoyer les assiettes. J'ai rien à faire comment? Non, en sortant le matin avec tout le monde là, on a d'abord fait le ménage. Donc ça veut dire que quand les filles vont rentrer, avant qu'elles vont encore tout salir et puis on va laver. Mais sinon, il n'y a rien à laver maintenant. Mmh. Ok, on y va. D'accord. Attends. Joyce, tu es sûre que ça va? Tu sais que tu peux aller là-bas au salon, tu t'allonges un peu, non? Non, je suis en train de partir. Ok. Je crois que c'est le meilleur moment. Si je peux pas mettre. Je vais. Attends. Tu n'as pas l'eau à boire ici? L'eau? Oui. Ok. Tu cherches l'eau. L'eau propre, non? Ok. Takaminus. Un peu Takaminus. Et mon grand frère préféré. Tu as toujours été mon grand frère préféré. Bon. Tu es le seul. Mais j'ai quand même choisi d'ajouter préféré sur ça. Moi, vraiment, tu t'es tout aimé. Même si tu n'as jamais vraiment été fait pour l'opulence. Mais il y avait de l'amour. Parce que c'est la famille, le sang. La famille, c'est que même si on fait quoi, c'est toujours la famille. Hein? On ne peut pas tuer son frère. Hein? Grand frère, le pardon. Pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Le pardon que petit pays a chanté. C'est un pardon que, sans que le pardon, ça doit faire partie de tout le monde, tous les Camerounais. Nous devons pardonner. Et on fait pas le pardon, et c'est ça qui amène au ciel. C'est ça qui amène. Ah, c'est ça. Voici l'eau là, j'espère que tu vas boire. Joyce, regarde, pardon, dis-moi, ça fait mal à quel niveau? Pardon, dis-moi, là, ça fait mal à quel niveau? J'appuie comme ça finit. Dis-moi là où ça fait mal, j'appuie. Regarde, Joyce, regarde, pardon. L'eau que tu as demandé, voici l'eau que tu as demandé, Joyce. Oh, voici l'eau, Joyce, ça va aller. Regarde, prends alors. L'eau, on dit que l'eau, c'est la vie, non? Pardon, bois une quantité. Si ta vie est en train de finir, bois, augmente ta vie. Joyce, ouais, regarde, ouais, Joyce alors. T'as quoi? Et puis tout ça tombe bien comme tu es là. Joyce ne se sent pas bien, pardon, va chercher l'hôpital, tu viens avec, s'il te plaît. Attends, regarde. Grand frère, chéri, tu as toujours été mon grand frère préféré. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul grand frère, mais j'ai quand même ajouté préféré, c'est ça. Puis tout ça, c'est le moment. Puis tout ça, ce n'est pas le moment. Je ne sais pas quel genre de blague tu es venu avec, mais là, ce n'est pas le moment. Regarde, Joyce, pardon, regarde, dis-moi alors là où ça ne va pas. Dis-moi ce qui ne va pas, douleur avec la douleur, Joyce, dis-moi alors. Joyce, pardon, Joyce. C'est
c'est grave. Genre, c'est urgent, maintenant. J'avais préparé un speech, c'était d'abord le moment du speech. Donc, elle se demandait si tu pouvais me laisser, non. Je lui donne le stock. Pitou, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà ma femme. Je sais pas si tu connais, mais ça, c'est ma femme. Elle est allongée au sol avec mon enfant. Je ne sais pas dans quel état elle est. Je lui dis non, elle doit mettre pause sur sa maladie pour que tu expliques, je ne sais quoi. Pitou, il ne faut pas m'énerver. Il ne faut pas m'énerver. Là où tu me vois, là, je suis très tendu. Il ne faut même pas m'énerver là où tu me. Pourquoi tu es même nerveux avec ton truc de tortue ninja là? Qui est nerveux avec le truc? Qui a le truc de tortue ninja? Bah, le truc de tortue ninja. Moi, ça, c'est un truc de tortue ninja. Ce n'est pas le truc de tortue ninja. Ce n'est pas pour tortue ninja. Ce n'est pas un truc de tortue ninja. Ce n'est pas le truc de tortue ninja. Ce n'est pas pour tortue ninja. Je te dis que ce n'est pas pour tortue ninja. Tu veux discuter avec qui? C'est tortue ninja. Ça va, regarde. Pardon, ne tombe pas. Regarde, on va trouver une solution. On va trouver. S'il te plaît, non, puis tu vas aller chercher un médecin. Tu viens rien pour qu'on soigne dans le monde. Tu veux le médecin ou la médecin? Tu vas dans n'importe quel hôpital. Tu as entendu que toi, tu es médecin. Tu lui demandes de venir soigner George. Il va venir. Tu fais 5 pas ici là, comme ça tu vois à l'hôpital et que tu fais 5 pas ici là. Puis t'es mauvaise foi. Tu as le mauvais cœur. Ce n'est pas la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Ouais, George. Le médecin. Ah, le médecin qui te suit. Bien le médecin sûr, qui te suit. Le médecin qui la suit. Le médecin. Elle est enceinte. Donne-la un médecin qui la suit. Allô? Allô, docteur? Oui, docteur. En fait, c'est que Joyce était malade. Regarde, non, on est parti pour regarder un chien là. Après, quand on arrive ici, elle se repose avant de partir chez eux. Et elle a eu un malaise. Elle a eu un malaise. Et pardon, docteur, viens la soigner. Joyce, j'envoie mon petit frère vous chercher. Pardon, il va t'indiquer. Pardon, va le chercher. N'importe où. Allô? Oui, pardon. Joyce, ouais, tu veux comment pour t'occuper en attendant que le docteur arrive, non? Regarde, pardon, on danse le zouk, on danse la salsa. Joyce, on danse alors. Non, je ne suis pas en train de crier, je suis en train de parler à haute voix. C'est pour que tu ne perdes pas connaissance, que tu ne t'épanouisses pas. Regarde, ok, ça va, on change la voix de danse. On va danser la valse. On danse la danse de l'opulence. La valse, c'est la danse de l'opulence. La danse de quoi? De l'opulence, Joyce. Ok, la danse de l'opulence. On danse de l'opulence. La danse, là on est en train de danser. Quelle danse, Joyce? Mademoiselle Joyce? Oui. Comment vous sentez? Ça va beaucoup mieux. Ne vous inquiétez pas, c'était juste de quoi vous remettre un peu en point parce que la situation avait l'air critique tout à l'heure. Alors il était question de la stabiliser. Sinon, j'ai quelques questions comme ça, au pif. Est-ce que vous avez déjà fait un malaise comme ça depuis le début de votre grossesse? Non, elle n'a jamais fait de malaise, hein. Rien du tout. Pas encore. Pas de fièvre, pas de maux de tête? Des maux de tête, oui, parfois. Ok, mais sinon, j'aimerais savoir, est-ce que vous dormez sur une moustiquaire un pied nu et tout? Non? Monsieur Takam. On va acheter, docteur. On est bien sur le marché, ça entend. Ah d'accord, mais il faut faire très attention. Vous savez, elle a une situation critique. Parce que selon les constats que je fais, elle fait un palud de grossesse. Et si elle est négligée, ça peut avoir des complications pour votre grossesse et voire des malformations pour votre enfant. Vous n'aimeriez pas quand même que... L'affaire que vous voyez, c'est ça, commencer comme la blague. C'était vraiment là comme la blague. Elle était assise là-bas, véranda, on était parti au champ. Quand elle revient là, elle dit que oh, je pars. Après, je ne pars pas. Et puis à un moment, bam, elle est là au sol comme ça là. La vie, si, hein, ça ne tient qu'à un fil. Bon, mais jeune homme, un problème? Non, c'est que j'apprécie l'opulence médicinale. L'opulence. Bon, je vois la situation est stable, madame, mais... Je vais devoir prendre congé et comme je l'ai dit, faudrait prendre soin. Le palud à votre étape de grossesse, c'est fréquent et si elle est négligée, ça peut produire avec des conséquences. Monsieur Takam, je vais devoir prendre congé. Il faudrait prendre soin et être très attentionné. C'est bon, elle est guérie. Non, pour l'instant la situation est stable, il faut juste avoir un soin particulier. D'accord. Pour le reste, vous continuez avec le petit traitement. Et en cas de complication, vous avez mon contact. Et me contactez. Pour le reste, c'est à la poubelle. D'accord. Merci beaucoup. Okay. Bon, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Courage à vous, madame. Merci. Jeune homme. B, ça va? Ça va. Tu sens la maladie en train de partir déjà quand même? Ça va.
promets. C'est ça pour le moment. Là, maintenant, là, tu ne pars plus au champ. Maintenant, il va arriver au champ seul. Je vais filmer les photos. Je vais t'envoyer ça sur WhatsApp. C'est bon. Ça va. Tu es déjà bien, tu te sens guéri, ça va aller un peu. Hein? Ça tombe bien. Je voulais vous parler. Et puis tout, elle est encore convalescente. Elle était malade tout de suite. Là, non, non, c'est même pas un truc qui va durer. C'est même pas un truc qui est long. Ouais, Seigneur. Okay. C'est un petit truc. On t'écoute. Seulement. Tu es mon frère. C'est le sang. La famille. Joyce, tu es la femme de mon frère. Ça veut dire que toi aussi, c'est la famille. La famille, c'est sacré. Il ne faut jamais oublier ça. En plus de ça, tu vas bientôt mettre au monde un enfant. Le premier petit-fils de ma Monique. C'est ça. C'est la famille. C'est tout ce que je voulais vous dire. Pitou, tu fumes? Pitou, tout à l'heure j'allais super mal. Tu n'as pas pu te retenir, mais là, s'il te plaît, de grâce, j'ai pas besoin de ça. Non, c'est seulement pour vous dire ça. C'est tout ce que moi je voulais vous dire. Les gens vont vouloir parler. Les gens vont venir raconter des trucs par derrière. Par derrière, les gens vont essayer de faire des trucs mal parler pour qu'on casse le lien de la famille. La famille, c'est sacré. La famille, c'est sacré, c'est le sang. Si vous voyez un peu compte de vous quelque part, signalez. Signalez. Ne cherchez pas à savoir qui a créé, que ça s'est passé comment. Ne cherchez pas à savoir. Signalez. Les haters sont dehors. Les haters. Les gens qui veulent notre mal. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Peace and love. Je te fais rapidement quelque chose à manger. Non. Non, je veux partir. Ok, parti comment? Tu es encore malade. Tu préfères peut-être que ta tante me trouve ici. Ok. Il y a de ça. Où sont mes chaussures? C'est là. Ce programme vous a été offert par Castelbière, le goût de la réussite. Bimoulé d'abord, merci à tous d'avoir regardé l'épisode. On s'excuse encore pour le côté un peu le petit format de l'épisode d'aujourd'hui. Donc nous restons encore un peu en difficulté. Nous continuons de mobiliser des forces pour davantage soutenir la production. Aujourd'hui, nous sommes rendus au stade où on a de belles idées. On a pas mal d'idées, mais la matérialisation... réunir les différentes personnes, les différentes ressources humaines et financières dont on a besoin devient un peu compliqué. Donc, d'où la raison de la cagnotte Leti qui est toujours ouverte juste au bas de, en commentaire sur cette vidéo. Le lien Leti est toujours ouvert. On attend vos différentes contributions. Donc, voilà. Les uns et les autres ont posé la question de savoir, depuis qu'on a lancé le Leti, tout le monde a posé la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas Orange Money? Est-ce qu'il n'y a pas MTN Mobile Money? Donc, aujourd'hui, on va donner des numéros officiels à travers lesquels vous pouvez effectuer toutes vos transactions. Donc, va s'afficher à l'écran les différents numéros. Voilà les deux numéros qui vont s'afficher à l'écran pour Orange Money et pour MTN Mobile Money. Merci encore. La vraie force, c'est vous. Merci à vous qui nous avez permis d'être à ce niveau. Grâce à vous, on ira encore plus loin. Encore désolé pour la taille de l'épisode d'aujourd'hui. On a vraiment de belles volontés. Mais maintenant, là, avec les ressources, on fera davantage. Bimoulet, d'abord.